L'impression de... Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit... Je vais pas dire JT du Geek, cette petite vidéo du dimanche. Notre petit moment à nous, enfin surtout à moi, après je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent, mais... Pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Bon, je rigole parce que j'ai l'impression de partir sans filet. Et je dis oui, parce que je suis un peu à la bourre ce matin, mais il faut que je le fasse. Faudrait bien que je le fasse ce matin. Parce que j'ai d'autres trucs à faire après. Donc je dis bon, voilà, vas-y, on fait la vidéo et puis ça sera fait. Comme toujours, allez, on parle un petit peu des news, de la grosse news de la semaine. On fera le giveaway pour faire gagner les chèques cadeaux, bien évidemment. Et bien évidemment, notre vidéo, comment faire votre chaîne YouTube. Voilà, donc là, c'est la partie 2. On essaiera de voir comment, avec l'IA, vous allez pouvoir éventuellement générer des voix. Et avant, la semaine prochaine, là, on fera l'IA globale. C'est-à-dire qu'une IA qui propose tout, tu lui donnes jupe, tout le dedans, et elle te fait un truc incroyable. Voilà, on verra si incroyable c'est. C'est vrai que dans les versions que j'avais essayées, c'était pas ouf. Mais comme ça évolue plutôt rapidement, c'est plutôt pas mal. Alors, j'en suis où dans mon timers? Alors, il est 1.06. Je mets le timer, comme ça. Je vous rappelle, pour ceux qui ne voudraient pas tout regarder, vous avez le timer directement à la fin. WTS by GLG, il y a du mieux, double short. Alors, aujourd'hui... J'ai mis ma vidéo WTS. Les stats est pas mal. On a fait mieux cette vidéo que la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est pas mal. J'ai pas mal de shorts là qui me restent. Enfin, en fait, avec Opus Clips, j'ai pas mal de mes vidéos que j'ai transformées en shorts. Je me suis dit, tiens, et pourquoi on tenterait pas cette semaine d'en mettre deux par jour? Pour voir si c'est porteur ou pas. Avant, encore une fois, qu'on passe, parce que là, c'était la V1 de WTS version 2024. Après, il y aura V2. V3 et V4 d'un coup, vous avez tout bouffé. Et vous allez voir, normalement, il y a une petite... Voilà. Et, enfin, les tipeurs sont déjà au courant, je vous rappelle. Tout ça, je mets sur Tipeee dans les news. Voilà, il y a les photos et tout, il y a pas mal de trucs, voilà, pour essayer de vous donner un peu d'exclusivité. Puis les autres, vous découvrirez ça au coup par coup. Ensuite, 2 minutes, c'est bien, ouais, on marque, hein, enfin, suivre le timer. 2 minutes, une série, création de chaîne YouTube par 2, donc là, on trouvera tout à l'heure, où on fera la deuxième partie, on verra comment on peut générer, pour ceux qui voudraient pas enregistrer leur voix pour le projet One Piece. Alors, c'est le projet One Piece, je ne veux pas le lancer, encore une fois, c'est pour vous faire voir. Vous irez tous vous faire voir. Non, pas du tout. C'était simplement pour faire un exemple, et après, chacun fera un petit peu... la chaîne qui veut, mais la semaine dernière, on a fait la voix et le montage et les images. On s'en compte, on est pas mal. On me dit, ouais, mais moi, la voix, je suis pas trop à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On verra que ça a quand même pas mal évolué. Donc aujourd'hui, on essaiera ça. Et la partie 3, là, on mettra directement le script dans un truc qui fait tout clé en main. Et en théorie, c'est magique. Le son, la voix, les images, machin. Bon, on verra ce que ça peut donner la semaine prochaine. Ensuite, 3. Ouais, c'est bien. Putain, une minute par truc. WTS by GLG, jour 5 dispo. Je viens de mettre le jour 5 là. Il y a quelques moments et tout. Donc, vous voyez, les stats, c'est en temps réel. Donc, il est étonnant. C'est que quelle heure il est chez vous, il doit être 4h du matin. Comme ça. 3-4h du matin. Il y a... voilà, la vidéo démarre. La semaine dernière, la vidéo a bien démarré puisqu'elle a fait quasiment 300 ou 400 vues dans la première journée. Ce qui prouve bien que, un, il y a un potentiel... Au niveau des vidéos, que ça vous plaît de plus en plus, et que la vidéo de la semaine dernière a fait 800 vues, je crois, de mémoire. Contenu de la chaîne, vas-y. Ah, bah oui, j'ai tout laissé en screenshot, comme ça, c'est pas mal, ça, c'est mes shorts. Voilà, j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas ça sera mieux. Voilà, pour l'instant, on teste des choses, laissez-moi jouer un peu. 750 vues pour celui de la semaine dernière, c'est pas mal, 719, 855, 599, voilà, on est bien, on commence à frôler les 700-800 vues, je pense que sur la longue traîne, avec un peu de recul, on devrait commencer à taper les 800 vues, 900 vues, à savoir que voilà, on va changer un petit peu tout ça, je vais essayer de vous faire ça un peu mieux pour la prochaine série, qui commencera bien évidemment, excusez-moi, les prochaines séries, qui commenceront bien évidemment demain, on en parlera tout à l'heure. La grosse news du semaine, de la semaine, c'est évidemment la sortie du Apple Vision Pro, voilà, le gros masque de Apple. Vous n'avez pas pu passer à côté, hein. Toutes les chaînes en ont parlé, pas mal sont allés aux États-Unis les acheter en exclusivité et tout. Et je pense que la vidéo la plus intéressante que j'aurais vue, c'est la vidéo de Kazen Estat, de ce dimanche matin, où il le met, et il va dans la rue avec, et il se balade, il prend le métro et tout. Et c'est de là qu'on voit, en fait, l'intérêt du dossier, de ce Vision Pro. Est-ce que je pourrais te mettre le truc, là, regarde, Apple Vision Pro, ça, si tu sais pas de quoi je parle, perds pas, hein. Sinon, je sais pas ce que tu fais là.
Il le met dans la rue. Alors, bien évidemment, il est ridicule avec son gros masque et truc. Mais c'est là, il dit, voilà, il peut, quand il marche, donc il voit la réalité, et il voit ses impressions par écran, donc quand il est assis, il peut bosser, il peut lire ses mails, il peut regarder des vidéos. Ne me dites pas, mais ça sert à rien, et personne ne le fera. Excusez, mais dès que tu as 30 secondes, tu sors ton téléphone, tu regardes tes vidéos, des mails, tu envoies des messages. D'accord ? Donc on est quelque part. Après, sur le principe de dire que pour l'instant, c'est gros, c'est moche, et c'est quasiment inutilisable en l'état, oui, bien sûr. Je pense que c'est flagrant. C'est le premier, comme il dit. Pour l'instant, comme il dit qu'il y a Zenestat, il dit c'est le pire des Vision Pro que vous pourriez acheter. Parce que le prochain sera vraiment mieux. On pourrait faire une analogie en disant rappelez-vous les premiers téléphones portables. Les premiers téléphones portables, il y avait une valise. Il y avait une valise. Tu sortais le truc comme ça. Tu avais un téléphone, tu ne pouvais que appeler. C'était horrible, c'était inutilisable. On est d'accord. Voilà, revenez maintenant 20 ans après, 30 ans après même. Ouais, c'était en 90 à peu près. Revenez 30 ans après. Aujourd'hui, un téléphone portable, c'est miniature, ça prend des photos de ouf, c'est tactile, ça envoie des SMS, la radio, truc, enfin voilà. Ça fait des choses qui sont quand même vraiment incroyables. Donc, le Vision Pro, dans l'état, pour l'instant, c'est un peu bizarre et on comprend pas trop, mais on arrive aux mêmes usages que, on se dit, oui, oh, imaginons, dans quelques années, on aura des Ray-Ban, des lunettes comme ça, dans lesquelles il y aura la même chose, comme ça, avec en plus les écrans, et tu pourras taper. Là, c'est exceptionnel. Et si on a l'impression de se dire oui, c'est le futur, ça n'existera jamais, non, évidemment, on va aller par là. Regardez les téléphones. Grosse valise, petit téléphone smartphone qui fait tout. Tout. Photos, internet, email, fait beaucoup plus que tu pourrais vouloir. Là, on est sur un gros truc. Plus ils vont arriver à le miniaturiser, à le mettre dans des lunettes, ça. En fait, Google avait déjà essayé, mais ils étaient beaucoup trop en avance sur leur temps. Ça ne marchait pas. La technologie n'était pas prête. Et là, on voit même que Apple, la technologie n'est pas prête. Mais on voit déjà qu'avec les capteurs, si moi, je pouvais avoir des petites lunettes transparentes comme ça, et que de temps en temps, quand j'ai une notification, elle s'affiche en surécran, et que je peux cliquer comme ça, et éventuellement taper des mails et tout, je me dis, waouh, là, ça prend du sens. Donc, c'est le début, tout le monde s'enflamme et tout, mais c'est la première génération. Forcé de constater qu'avec les générations qui vont arriver, ça va être vraiment intéressant. Et oui! Oui, ben oui, forcément, si je peux avoir dans des lunettes et avoir des grands écrans comme ça pour taper et tout, oui, carrément, je pourrais me passer soit de mon téléphone, quoi, même de mon ordinateur, ou alors juste avoir un clavier physique, une souris, parce que pour l'instant, il y a un peu les doigts comme ça, ça me fait du mal. Voilà, après, chacun verra un peu midi à sa porte, mais voilà, tout le monde s'enflamme et tout le monde le déteste et tout est justifié. Tout le monde s'enflamme parce que waouh, c'est le premier, et tout le monde le déteste parce que pour l'instant, dans l'état, c'est le premier, c'est inutilisable comme ça et tout. Mais le 2 sera mieux, le 3, le 4, le 5, et on en reparlera dans 10 ans où on dira ouais, mais machin. Voilà, prenez le cas des téléphones, comment c'était avant, comment c'est maintenant, et voyez un peu le gap qui a été fait entre les deux. Voilà, ça c'est bon. 8 minutes, ça va, j'ai bien parlé. 8 minutes, c'est bien. Allez, WTS passe en V2 FR et V3 anglais avec Cerise. Voilà, un petit peu, voilà. Alors, ceux qui l'auront vu, alors j'ai fait une première bêta de WTS pour cette nouvelle version. Je suis parti 5 jours, j'ai fait 1500 km avec la BYD pour voir. Voilà, pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, pour voir un peu proposer aux annonceurs au format. Pas mal m'ont dit, notamment des marques de caméras sport, me disant, ouais, bon, ça fait pas beaucoup de vues, hein. Ah ouais, on vient de relancer le truc. Voilà, on essaye, on voit ce qui marche. J'ai bien vu ce qui marchait pas, j'ai vu ce qui marchait. Donc j'ai vu pour la prochaine série, qui sera faite lundi, mardi et mercredi, comment je vais pouvoir améliorer le dossier et tout. Mais vraiment, il faudra du short, mais du vrai short, pas du short IA pourri comme j'ai fait là. Il faudra cibler par endroit plutôt que de faire des journées, parce qu'on voit que la vignette est mieux, le titre est mieux, et c'est quand même beaucoup plus accrocheur. Voilà, pas mal de choses. Ça sera pour la version donc du coup de la semaine prochaine où il y aura 4 épisodes pour moi, parce que là on part 3 jours et donc du coup il y aura 4 épisodes avec 4 trucs trop bien. 4 trucs des vignettes que voilà, on va faire de la vignette, hein, on choisit les trucs, je dis voilà, on va regarder ça, c'est vraiment bien et tout, voilà. Donc il y aura ça. Avant de passer sur une. Alors donc ça sera la V2, avant de passer sur la V3 où il y aura donc. Les tipeurs sont au courant. Un nouveau truc qui va arriver, qui va complètement changer cette vision de WTS, qui va apporter vraiment un gros truc en plus. Et ce n'est pas une grosse truc en plus, c'est un gros truc en plus. Enfin, c'est un objet,
qui va apporter complètement une autre dimension à ces retraites WTS. Encore une fois, si vous êtes tipeur, ça coûte 1 euro par mois, vous soutenez un peu l'aventure, et vous avez toutes mes news avant tout le monde, notamment bah, les news de ce projet-là, qui sont dans les news, tu payes 1 euro, t'es tranquille pendant un mois, tu vas dans news, tu lis les news, tu vois les photos, tu te dis « Ah ouais, l'enculé, ah ouais, c'est donc ça qu'il prépare, voilà ». Vous le verrez, ça vous motivera peut-être à devenir tipeur ou pas, je sais que les plus aficionados le sont. Ça, c'est bon. Ensuite, donc, ça sera pour la V. Alors là, la V2, c'est les vidéos de la semaine prochaine. Donc, entre mix vidéo et short et ciblé sur les endroits, ça, c'est fait. V3 ou V2 bis, ça sera donc cette nouveau accessoire qui... Vous pouvez pas vous attendre. J'ai pas teasé. Si, j'ai teasé un peu, parce que ma mère m'a dit, oh, ta vidéo, t'en as parlé un petit peu. T'as dit, oui, truc, là. Donc, si vous êtes bien attentif, vous avez déjà une piste qui arrive, mais... pas exactement ce que vous attendez, c'est mieux que bien. Et pour l'instant, les photos sont assez, voilà, bon potentiel. Et ensuite, donc du coup, la V3, ça sera une version anglaise avec Jeanne ou Cerise. Je pense qu'on va l'appeler Cerise, puisque, alors, j'en ai parlé sur Tipeee, je vais lancer, c'est un grand mot. En fait, je vais faire un truc que j'avais prévu, c'est devenir un peu plus producteur. C'est-à-dire que je sais filmer, je sais faire, je sais monter, mais produire des gens, voilà. Et surtout, là, produire des Jeanne, bien évidemment. Donc, il y aura une nouvelle chaîne qui va arriver en anglais. Donc, ça sera pas moi, ça sera elle. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore trop, puisque est-ce qu'elle va faire le taf? Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on pourrait pas, comme les cerises, bah, de saison en saison, les changer et en mettre une autre? Ou alors, éventuellement, j'ai déjà demandé si elle avait des copines et tout, et oui, éventuellement, on pourrait être dans d'autres endroits, parce qu'il y aura d'autres pays, bien évidemment. Alors, est-ce que... cette Jeanne-là pourrait aller, par exemple, en Chine quand je fais la même chose? Ou est-ce qu'on, du coup, on aurait une... animatrice chinoise pour la Chine, et quand on va à Taïwan, une animatrice taïwanaise, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un de local et tout, c'est des choses qui sont en étape. Encore une fois, on lance les 4 épisodes, donc là elle part avec moi, on lancera donc du coup ces 4 épisodes avec elle, où là carrément il y a un script, hein, je dis voilà, comment ça va se passer, ça, et il y aura tout, hein. Il y aura de l'humain, de la formation, voilà, on a prévu de faire un petit format qui ne sera pas très très long, genre 10 minutes par vidéo, mais qu'il y ait un peu tout ce qui manque dans mes vidéos et ce qu'il pourrait y avoir dans les siennes. Voilà, donc là, on part en tournage. Peut-être que le premier épisode pourrait être en ligne dimanche prochain. Je pense que les 3-4 premiers épisodes, je vous en parlerai pas. J'en parlerai qu'aux tipeurs. Il y aura, dire qu'il y aura que les tipeurs qui auront l'URL de la chaîne. Et on fera un peu de pub comme ça, un peu de matraquage en disant, voilà, sur mes réseaux anglophones. Pour dire qu'il y a une nouvelle chaîne, l'intérêt c'est que peut-être également aussi la chaîne anglaise, toi de pousser un peu, voilà, on a déjà, oui, plusieurs trucs, on essaiera de lancer ça, donc ça sera partie du projet, et là l'intérêt c'est que, bah, du coup, ça sera pas moi, ça sera elle, donc ça sera, on verra juridiquement, une fois qu'on aura validé la monétisation, est-ce que ça sera sa chaîne, elle qui met, ça pourrait être elle qui va gérer le truc, et moi du coup, je serai juste en backstage, et je m'occuperai un peu de la partie technique. Pour l'Asie, encore une fois, voilà, ça fait partie des nouveaux projets. Encore une fois, j'en ai un peu plus parlé sur Tipeee, au niveau des détails et tout, mais voilà, on part sur un essai d'une aventure, on verra ce qui marche, ce qui marche pas, mais bah, le fait de présenter des endroits sympas en Thaïlande avec une meuf, déjà, je sais que l'audience, même si je suis très belle, hein, je sais que l'audience ne sera pas la même, et on aura beaucoup plus de monsieur qui vont regarder, ne serait-ce que pour voir elle, et peut-être ses copines, et peut-être d'autres jeunes. On va voir comment on va faire. Pour l'instant, on lance la chaîne, le nom est trouvé, les bannières, les vignettes, les descriptions, tout ça. C'est vrai qu'en plus, avec l'IA et tout, ça facilite vachement, en disant, là, ah, voilà à peu près ce que je veux, tu me fais ça, truc, nanana, voilà. Tu me fais ça comme ça. Et moi, ça me plaît. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Et maintenant, on attaque bien évidemment le giveaway. Je vous rappelle, toutes les semaines, je vous fais gagner des chèques cadeaux. Si vous laissez un commentaire en dessous de vos vidéos et vous mettez le nom de la marque, attention, contrairement à notre ancien gagnant, Pierre. Putain, en plus, c'est le truc, c'est que j'ai même pas capté, c'est qu'on s'est rencontrés, il est venu à Pattaya, on avait mangé ensemble et tout, avec deux abonnés. Et il dit, oui, j'ai gagné les écouteurs. Il n'a pas compris. Je ne veux pas gagner les produits, je fais gagner des chèques cadeaux. Alors, j'ai dit, attention, ne sois pas déçu, je fais juste gagner des chèques cadeaux, je ne vais pas gagner les produits, c'est que les marques vont gagner les produits. En plus, pour envoyer depuis l'Asie, envoyer depuis la Chine sera un peu plus facile, mais envoyer depuis la Thaïlande, c'est pas possible. Trop de douanes, trop compliqué et tout. Et même depuis la Chine, je crois, maintenant avec les taxes, les douanes et tout, c'est un peu plus relou. Donc, uniquement des chèques cadeaux, vous laissez un commentaire en dessous de mes vidéos en mettant le nom de la marque. Le dimanche, je fais un tirage au sort.
je choisis un random. Hop là, je prends le commentaire. Si le commentaire a bien mis le nom de la marque, il gagne. S'il n'a pas mis le nom de la marque, je prends le commentaire suivant. Voilà, ça paraît plutôt facile. Et ça se passe comme ça tous les dimanches. Et si on dépasse les 200, les 150 commentaires, si on dépasse les 100 commentaires, un chèque de 10 balles. Si on dépasse les 150 commentaires, un chèque de 15 balles. Si on dépasse les 200 commentaires, un chèque de 20 balles. Et après, on recommence comme ça, 20 plus 10, plus voilà. Vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche, mais ça tombe bien, puisque ce jour, c'est-à-dire le 4 février, il n'y a qu'un produit que la Techlast a gagné. Donc là, je prends le commentaire. Hop là, il y a... Hop. La Techlast, il y a 102 commentaires, à savoir que j'ai répondu VPN, mon ami, VPN, voilà, j'ai répondu à tous les commentaires, donc ça veut dire qu'il n'y a que 51 commentaires, puisque j'ai répondu à tous les commentaires, ça fait 102, voilà. D'ailleurs, Pierre, il a mis un commentaire ce matin, il s'est dit, j'ai gagné la semaine dernière, je vais vite mettre un commentaire aujourd'hui pour voir si je peux gagner. Et alors? Non? Pas de... Voilà, ben, ça marche pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas donc de 1. Si on peut pas faire un petit random là. Random Google, il n'y a pas. Number Generator, Chrome. Voilà. Marché là. Hein, il est revenu ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Putain, mais c'est quoi ça? Random Google, random.org. On va essayer de recliquer là-dessus. Voilà, bah, tu vois là, comme quoi ça marche. De 1 à 5. Oui, parce que je triche, évidemment. 2 à 51. Ici, le gagnant, le 40. Voilà. Ouh, tiens, Pierre, tu as failli. Voilà, donc 40, 199 la tablette. On va descendre tous les commentaires. Et ça sera pas mal. Ok. Allez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Bonjour, bonne année. Pourquoi ne pas tester Netflix? Voilà, donc lui, il a mis un gentil commentaire, bien évidemment, parce que chacun veut que je teste son truc, mais il n'a pas mis Techlast. Donc, c'est le commentaire suivant. Le présentateur commence à se faire vieux. Donc, pareil, il n'a pas mis Techlast. Ensuite, le gagnant, Patrice. Bon, Patrice, il a écrit un peu comme un bougnat. Mais bon, allez, on va dire que c'est Patrice qui a gagné. T'es classe. Il a fait l'effort de participer, même s'il a mal recopié. Encore une fois, on va dire que c'est l'âge. C'est pas facile, hein. Imagine avec un clavier virtuel. Voilà, donc c'est bien que Patrice qui a gagné. Alors, bravo aux deux anciens qui ont gagné normalement, mais qui n'ont pas mis T'es classe. Alors, soit parce qu'ils veulent pas jouer, soit parce qu'ils ont pas du tout, voilà, ils ont pas le... c'était pas du tout leur délire, ils s'en foutaient. Voilà, donc bravo, tu es le gagnant. Donc bravo, Patrice, tu m'envoies un mail sur admin@jtgeek.com ou alors tu vas directement dans les mails en haut, enfin dans à propos, tu m'envoies un mail admin@jtgeek.com en disant, ah, je suis le gagnant, tu me fais un screenshot comme quoi c'est bien ton commentaire et ton compte. Tu m'envoies ton mail Amazon, le mail correspond à ton compte Amazon, j'envoie ton mail Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau et tu gagneras un petit chèque cadeau de 10 balles, ce qui fait plutôt plaisir. Voilà, bravo, bravo Patrice. Je vais mettre ça comme ça. Tac. Et puis voilà, c'est pas mal. Tchou. Tac, tac, voilà, ça c'est bon, 102. Et c'était 10 euros. Comment il a gagné? Non, ta peau c'était 20 balles, et Time Kittle, ouais, Time Kittle c'est 10 balles. Donc Pierre, encore une fois, s'il m'a écrit sur Line, parce que j'avais son Line, comment on s'est rencontré, c'est bien juste un chèque cadeau, c'est pas le produit. Si j'ai le produit, je vous dis. Mais là, non. C'est-à-dire qu'il a même pas regardé la vidéo, c'est-à-dire qu'il a joué, il a vu, ah, j'ai gagné le truc, non, non. Regardez la vidéo, regardez comment ça marche. Je veux bien. Normalement, c'est votre fidélité et tout ça, vous êtes censé moi regarder les vidéos, comprendre ce que vous avez gagné et tout, voilà. Bon, après, les vidéos, c'est nickel. Bon, semaine prochaine, il y aura donc le tirage au sort pour les chargeurs charge, donc les trois chargeurs charge. Le tirage au sort pour le tank mini. Voilà, donc là, vous ne gagnez pas un mini tank. Hein, je suis désolé, voilà. Cette semaine, il devrait donc y avoir une vidéo de IVC. Parce que, alors, le mec qui travaille chez IVC VPN, il est parti. Il y a un autre qui est revenu, mais on ferait une vidéo. Je vais me casser les couilles. L'autre, la dernière fois, il me dit oui, mais il a changé de département. Bon, c'est là qu'il est parti. Hein. Qu'il a été viré, je ne sais pas. Donc, il revient une vidéo. Donc, je fais une vidéo alors plutôt intéressante parce que, alors, surtout, vous verrez dans la vidéo, en Asie ou avec VPN, il y a déjà The Equalizer 3 et il y a même Batman, The Batman. Voilà, qui sont disponibles sur Netflix, pas France, voilà. Donc si vous mettez un VPN, vous avez droit à Equalizer 3,
et The Batman. Ce ne sont pas les films de l'année. Moi, j'ai regardé Equalizer 3, et j'ai regardé, je vois Netflix, je regarde. Je dis, oh, mais là, c'est bien et tout. Puis après, je regarde, je dis, en fait, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas chez vous, il n'y avait que avec VPN. Donc, on a parlé de ça, voilà. Ça permet d'avoir une vidéo qui est ce que vous pouvez vraiment avoir. Il y a une vidéo de Filmora avec Filmora 13, parce qu'on peut générer de la musique avec l'intelligence artificielle. On peut couper les blancs et faire de la musique. On verra bah, que c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de dynamiser la vidéo. Eddie Fier, le mec a complètement disparu. Il m'a envoyé les deux enceintes. Il a complètement disparu. Mais bon, pas au mail, rien. Une caméra tapo, parce qu'il m'en a deux la fois. Ugreen, ils m'ont envoyé leurs trois nouveaux chargeurs. C'est la nouvelle génération des anciens chargeurs qu'on avait déjà eu, mais voilà, version 2024, par an. Et Dr. Phone, pareil, elle revoit une vidéo. Donc l'intérêt, c'est que, bah, avec ces petits cheptels-là, moi, je fais mon chiffre, tu vois. Avec ces vidéos qui retombent, alors c'est pas les vidéos les plus fashion que j'ai envie de faire. Mais en même temps, comme ça, toutes les vidéos sont prêtes. Moi, au mois de février, je fais mon chiffre. En plus, c'est journal chinois. Et ça me permet de me concentrer sur WTS. Voilà. Et giveaway, j'ai oublié à partir de quand c'était. Donc, ça devait être à partir de 10 minutes. Au pif, je reverrai ça au montage. Allez, on continue. Il est 20 minutes. Comment créer une chaîne YouTube avec l'IA? C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, alors, avec l'IA, en ce moment, c'est de la merde, hein, c'est vraiment, c'est vraiment, ça fait vraiment n'importe quoi, encore une fois, là, ce matin, il me dit, non, on peut pas, je dis, pourquoi tu peux pas, et pourquoi, ah, excusez-moi, du coup, il a fait le truc, bon, la semaine dernière, on a fait notre script avec l'IA, aujourd'hui, on plonge, bonjour à tous, aujourd'hui, on va reprendre ça, abonnez-vous pour une vidéo quotidienne, voilà, ici, donc ça, moi, vous l'avez vu, j'avais lu la vidéo, avec ma voix incroyable et tout, et on avait fait le montage pour faire une vidéo short. Mais tu pourrais te dire, oui, mais alors moi, je suis un peu timide, ou j'ai pas trop le temps, j'aimerais bien plutôt faire un truc automatique. Alors, je vais essayer de mettre un peu de son. On va essayer de le faire avec... il est où? C'est ça? Eleven Lab, voilà. Moi, j'utilise Eleven Lab pour faire mes voix en anglais, et ça a quand même pas mal évolué entre-temps. Alors, vous pouvez choisir, en fait, par exemple, ici, vous choisissez les voix. Alors, moi, j'ai choisi la voix de Dave. On verra, elle est en anglais, mais après, on verra qu'elle sera en... A man is not old as long as he's seeking something. Pas mal, pas mal. Il y a pas mal de voix très American, voilà. J'ai pris la voix de Dave. Alors, après, il y en a pas mal. Vous pouvez prendre, oui, Adam. Allow the world to live as it chooses. A man sees in the world. Freya. Ideas at the beginning points of all fortunes. Dave, on va voir un peu, il y a quoi, Freya. Gigi. Happiness can exist only in acceptance. Giovanni, hein? Ah, mais il y a Santa Claus, non? Oh, oh, oh. Courage is not the absence of fear, but simply moving on with dignity despite that fear. C'est pas mal. En même temps, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Donc là, vous mettez voice setting, vous pouvez choisir la stabilité, le style. Bon, après, ça, c'est pas très intéressant pour vous. Le type, il faut bien mettre multilingual V2, sinon il n'y a pas le français. Encore une fois, là, on recopie notre texte à nous. Ici, par défaut, il ne nous demande pas la langue et tout. Bon, ok, donc là, il n'y a que 467 caractères, plutôt facile. Et on va générer, vous allez voir, c'est plutôt rapide. En même temps, ça peut être, il n'y a pas énormément de texte. Et après, donc ce morceau-là, on le remettra sur notre logiciel de montage. Enfin, je vais vous le faire en off, parce qu'on l'a fait la semaine dernière. Je le remets sur le logiciel de montage, et au lieu de mettre ma voix, je mettrai celle-là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de One Piece pour découvrir Monkey D. Luffy. Né à Fushia Village, ce pirate au grand cœur rêve de devenir le roi des pirates. Avec son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, il est élastique. Il forme l'équipage des Mugiwaras pour chercher le trésor ultime, le One Piece. Il y a l'intonation et tout, c'est fou, hein. Et toujours prêt à aider ses amis, Luffy est un personnage inoubliable. Abonnez-vous pour ne pas louper ma vidéo quotidienne. Bon, ça fait un peu trop Santa Claus, on est d'accord. Mais voilà, encore une fois, je télécharge. C'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu. Et là, en fait, on va laisser un blanc. Pour moi, et je vais vous mettre les deux vidéos, celle que j'ai fait avec ma voix, encore une fois, donc ça dure une minute, et je vais enchaîner avec celle que on a fait avec cette voix là. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers de One Piece pour découvrir Monkey D. Luffy. Né à Fushia Village, ce pirate au grand cœur rêve de devenir le roi des pirates. Avec son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, il est élastique. Il forme l'équipage des Mugiwaras pour chercher le trésor ultime, le One Piece.
brave, drôle et toujours prêt à aider ses amis, Luffy est un personnage inoubliable. Et toi, c'est quoi ton personnage préféré? Abonnez-vous pour ne louper aucune de mes vidéos quotidiennes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de One Piece pour découvrir Monkey D. Luffy. Né à Fushia Village, ce pirate au grand cœur rêve de devenir le roi des pirates. Avec son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, il est élastique. Il forme l'équipage des Mugiwaras pour chercher le trésor ultime, le One Piece. Brave, drôle et toujours prêt à aider ses amis, Luffy est un personnage inoubliable. Abonnez-vous pour ne pas louper ma vidéo quotidienne. Bim, et voilà, donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors l'intérêt, c'est qu'après il faut choisir les voix. Là j'ai pris la voix de Santa Claus, parce que j'aime bien le fait de voix en même temps. Elle a une voix assez narrative, si tu sais pas que c'est le Père Noël, il a une voix assez intéressante en même temps. L'intérêt, j'ai vu avec Eleven Lab, c'est que dans cette nouvelle version, en fait, il y a, déjà il parle beaucoup mieux français, et il y a des effets d'intonation, il monte la voix, il baisse la voix, il y a même certains, quand vous verrez que le chef de montage, il y a même des respirations. Quand toi tu fais une respiration, et tu chantes... Comme ça, tu sais, tu vois un petit, une petite boucle comme ça dans ton montage où tu dis t'es là en train de respirer. Et ben ça, quand tu le fais, tu le vois aussi. Tu dis, oh, un moment où il prend sa respiration. Ce qui est pas possible, c'est une IA. Mais ça veut dire que dans le codage, ils ont prévu de mettre, voilà, une respiration, juste comme ça, voilà. Donc voilà pour cette deuxième vidéo pour créer ta chaîne YouTube. J'espère que t'auras aimé un peu ce concept, voilà. La semaine prochaine, on essaiera un logiciel d'IA où carrément là, on lui met, on a fait le script. Tu mets le script, il fait tout. Il fait tout seul, on verra, il met le texte et tout, voilà, donc encore une fois, il y a des versions gratuites, il y a des versions payantes et tout, mais ça permet d'avoir un petit peu de différents outils pour voir un peu ça donne, et après, donc du coup, la semaine prochaine, on essaiera un autre concept de chaîne où on va pouvoir faire de l'affiliation directement derrière et tout, soit en chaîne YouTube, soit en vidéo short, et comme ça, ça vous permettra de vous dire, ah tiens, moi, vous avez une idée, vous pourrez peut-être la transposer avec ce qu'on vient de faire là, voilà. Je vous rappelle, sur Tipeee, je vous mettrai certainement la nouvelle chaîne en anglaise, la nouvelle chaîne en anglais, je vous en parlais dans la semaine quand j'ai fait la vidéo. Normalement on rentre mercredi soir, donc jeudi, vendredi, moi la mienne elle est prête, celle de Lolo elle est prête pour dimanche prochain, donc peut-être que je m'occuperai de sa vidéo là, créer la chaîne, mettre sa vidéo, mettre les shorts, parce qu'en théorie il y aura toujours des shorts, il y aura deux shorts par vidéo, ça permettra de teaser un peu la vidéo et de miser un peu sur ce côté un peu short. Voilà, je vous expliquerai tout ça dans Tipeee, comme ça si vous voulez le faire, c'est le bon moment ou jamais, ça coûte que 1 euro par mois. Et plus si vous en avez les moyens. Comme ça, pendant un mois, vous avez toutes mes news et mes vidéos avant tout le monde. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Et surtout, bah, félicitations aux gagnants. Et à dimanche prochain.